Et bonjour tout le monde, c'est Tantes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mega Man Maker. Et ce n'est pas dans Build que je voulais dire, dans Play, Online. Pikachu, je sais plus quoi. Aira, ça, voilà, c'est bon. Je prends ma manette, et on va se montrer, parce que là j'ai un niveau qui est splendide à vous montrer. Je vous le présente ici, c'est... Metroid Mega Fusion uploadé hier, je suis super content de l'avoir fait et le niveau a planté et pas qu'un peu, du coup je le relance hein. Et hop patata play dans pas fine de vol, voilà my profile bag mon profil. Mal le vol. Mettre une méga fusion. Et on charge le niveau. Désolé, ça va être un petit peu long, je pense. Un peu beaucoup même. Donc simple raison, c'est que le niveau est vachement grand. Mais quand je dis vachement grand, c'est pire que vachement grand. C'est le truc qui me plaît être. Attendez, je monte. Voilà, désolé du retard. C'est parce que j'avais pas de train à prendre en fait. C'est parce que j'avais le soleil en pleine figure. Le soleil en pleine figure, tout le monde sait que ça pique. Alors, on attend la fin du chargement de notre cher niveau. Enfin, oui, voilà, c'est bon. Bon, d'ailleurs, je vais encore vous baisser parce que c'est encore trop haut, vous voyez. J'ai un petit souvenir, d'ailleurs. Et ben voilà, nickel. Bon, par contre, je vous avais prévu qu'il était long à charger ce niveau. Voilà. Et je préviens qu'il lag aussi un petit peu. Déjà, on est au premier tableau et ça lag. Alors, 1, 2, 3, voilà. Oui, on est obligé de traverser ce machin. 2, 3, 4, 5, 6. Là, il y a une porte un petit peu cassée. Allez. On marche. Hop. Mince. Tant pis, parce que ça, ce machin-là, on peut les casser. Comme ça. Bon, effectivement, si je charge pas assez, ça va pas le faire. Voilà. Bon, par contre, allons plus vite. Voilà. Là, c'est plus vite, ça c'est mieux. Voilà, allons vers le premier secteur. Parce que ça, c'est un mini D-Make de Metroid Fusion. Hein. Bref, gros projet, quoi. Voilà. Et tout, pas ça aider, c'est tout. Oh. Petit glitch. D'ailleurs, si je... restart au checkpoint. Est-ce que ça va me permettre d'accélérer? Je suis pas sûr. Parce que des fois ça permet de délaguer en fait. Ah bah si, un petit peu, je suis même pas. Bon. Tant pis, moi je vais essayer. Ouais, ça va à cette vitesse. Hein. Allez. Parce que le niveau est vraiment très très grand. Alors déjà, on va ici. Po, voilà. 1, 2. Voilà, c'est bon.
Mais... Aïe. Ok, moi je fais ça. Oh. Voilà, il n'y a plus qu'à sortir. Et hop. Hop. 1, 2. On monte. Bon, par contre, on n'a pas intérêt à sortir quand même. Voilà. On passe par en dessous avec le jetpack. C'est parfait. Continuer à droite, hein. Ouais, à droite. Alors, dans Métro de Fusion, le secteur 1, c'est celui de la ventilation. Un, deux, trois. Hop. Parfait. Enfin, presque. Voilà. Hop, hop, mais double saute, les gars, c'est bien. Voilà, c'est impeccable. Hein, voilà, parfait. Allez, et voilà, nickel. Récupère la deuxième clé. Voilà, nickel. On n'a plus qu'à passer. À prendre la troisième. Parfait. Bon, d'ailleurs, hein, qui a besoin de frapper le chien ou je sais pas quoi, quand on peut faire ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, petit secret dissimulé, il y avait un bidon de fuel. Voilà. Il servira lors du boss final. On retourne dans la salle qui lag. On descend plus vite, comme ça. Allez, 1, 2. Et 3. Oui, on est pas obligé de tuer, mais je vais le faire quand même. Hein. Allez. Voilà, nickel. Bon, ça arrive, il faut aller plus vite. Un, deux. Parfait. On n'a plus qu'à monter. Tranquillement. Allez, un, deux. Un, deux. Un, deux. On va pas dans cette porte, on va encore plus haut. 1, 2. Bon là, j'ai l'impression un petit peu qu'on est obligé de se faire toucher, je les ai mal placés, effectivement. Voilà, c'est bon. Faut peut-être lui mettre la musique de Snake Man. Bon, bon. Allez, on sauvegarde. On retourne au checkpoint. Voilà. Slide, slide.
Maintenant, on va à la porte numéro 2. Hop. 1, 2. La porte numéro 2, c'est ici. Alors, ils nous disent ici, il faut 3 clés. Ok. On check le checkpoint. 1, 2. Voilà. Aïe. Effectivement, si je tape pas, ça va. Donc, on commence par ceux du bas, parce que en fait, celui du haut, c'est un peu compliqué à expliquer, mais si on prend celui du haut, on retourne notre checkpoint. Ce qui est pratique, c'est une bonne chose, même. Bon, effectivement, si je me fais frapper, ça va le faire non plus. Allez, voilà. Et hop. 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 On prend ça, ça comme ça, voilà, c'est bien. On double jump, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on double saut, impeccable. Retourne dans la grande salle qui fait le tout blaguer, ça c'est le début. Maintenant on monte. Là il n'y a pas d'ennemis pour faire plaisir. Hein. C'est pas cruel non plus. Ok. Ouais, effectivement c'est à droite en premier. Hein. Et slide. Est-ce que je suis loin? Non, ça passe. Hop. Nickel, on peut faire monter. Hop. Nickel. On passe dans le trou. 1, 2. Ouais, là il n'y a pas trop de choix. Là on évite de se faire tuer, ça serait mieux. Et hop, hop. Voilà, c'est bon. On se fait happer et on descend. Nickel. On va prendre le checkpoint aussi, ça a toujours une bonne idée. De l'énergie. Voilà. Ah, c'est bon. Là, c'est le portail pour remonter. 1, 2, 3. On l'a aussi rien à faire. Hein. Voilà. Cet ami là, on n'est même pas obligé de le frapper. Hein. Il est gentil. On remonte dans le portail. Allez, on va à gauche. Voilà, nickel. Non, j'ai pas fait de respawn, sinon. Mince. Voilà. Voilà, ça va plus te casser comme ça.
Hop, et zut. Voilà. Nickel. Là, il n'y a pas trop le choix, faut tourner comme ça. Bon, par contre, c'est plus logique de tourner quand on est au milieu de la plateforme. Voilà, on commence à droite. À gauche, c'est dangereux. On passe les checkpoints. On récupère de l'énergie. Et on descend. Nickel. Donc, 1, 2. C'est bon. Ok. Alors là, on peut pas les tuer, celui-là. J'aurais peut-être dû mettre des nettoirs à ce moment-là. C'est un peu tard maintenant. Allez, hop. On slide. Non, pas de ce côté là, monsieur. Monsieur le Guérin, c'est pas par là. Voilà. Impeccable. 1, 2, nickel. Hop, mince. Ah là, c'est bon. 1, 2. Bon. Jetpack. On va sauvegarder, c'est important. Parce que si je meurs, c'est la cata. Voilà. On descend. Alors là, c'est un truc en deux étapes qui peut faire. Un, prendre ça. Ensuite, attendre. Attendre qu'il fasse son jet de flamme. Utiliser l'eau et foncer. Ok. Vous voyez les lags, c'est impressionnant. Mais ça, je vous rassure, c'est la capture qui fait ça. Je vais redémarrer le checkpoint dès que j'aurai passé cette salle. 1, 2. 1, 2. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. On a la première clé. Il n'y a que deux clés dans cette zone. Hein. Ah oui, c'est pour ça que je vais surélever les pieds. Ok. Allez, voilà. Ok. On va quand même redémarrer nos pouvoirs. Hein. Allez. Et on redémarre la partie. Voilà. Ah bah oui, c'est quand même beaucoup plus fluide. Vous l'avouez. Allez, hop. 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 Ok. Go. Hop. On reprend notre pouvoir.
On fait du image boost, hein. Go. Et go. Ouais, c'est bon. 1, 2. Récupère un petit peu de vie, de l'énergie. Voilà. Unique monsieur. Voilà. C'est bien. Ok. Air shooter, c'est parti. Go. Passez haut. Go. Voilà, c'est bon. Voilà. Go. Merci. Go, go. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Hop, hop. Et on remonte. Tranquille. Alors, on va dans zone 4 cette fois. C'est long quand même. Ok, go. Voilà, c'est bon. Tranquille. Et 1, 2. Et le 4, normalement, c'est un truc hydraulique. Le secteur 4, c'est un truc hydraulique, si je me souviens. Oui. Et lutte. Allez, on saute. On prend les checkpoints, c'est très important parce que c'est facile de mourir dans ces zones. Hop, hop, mince. Bon bah, tant pis. C'est parti. Alors, le premier est en bas. 1, 2. Le pouvoir de l'eau. Ça, le pouvoir de l'eau dans l'eau, ça fait des bulles redoutables. Ah, c'est bon. Par contre, le pouvoir de l'air dans l'eau, ça fait de l'air. On évite les crevettes, hein, je sais pas comment on fait ça. Ouais, c'est des crevettes. Allez, hop. Après, j'ai été gentil, hein, j'ai mis les deux au même endroit, présent. Hop. On charge le pouvoir. On le lance. Hop, on charge le pouvoir. Hop. Hop, hop. Ouais, c'est bon. Appuie qu'à descendre. Le prochain est en bas. Ici, pour être exact. Hop. Double saut, parfait. Ouais, c'est bon. Tranquille.
J'ai mal visé et du coup j'en ai utilisé un entre autres. Tant pis. Hop. Hop. On évite le monsieur. Parfait. Parfait. Hop hop. Oui, c'est une grande salle. N'empêche, l'enregistrement là, il exagère un peu. Hein. Allez. Ah là, c'est bon. L'air. C'est un pouvoir tellement puissant. Hop. Un petit saut maintenant. Parfait. Non. Megaman, tu ne descends plus trop. Pas bien. Et hop, hop. Voilà, c'est bon. On va au prochain et après on recharge le niveau parce que là ça lag beaucoup trop. Un, deux. Voilà. On tombe à la plateforme et on tourne. Ah, ça lag beaucoup. Hop, hop, hop. Là, tu casses l'idée. On saute. Bon, en même temps, si je saute pas correctement, ça va pas le faire non plus. Hein. On va au secteur 5, si je crois bien. Ouais, je crois que c'est le 5. Ouais, c'est le 5. On saute tout long. Voilà, parfait. Secteur 3. On est bientôt au dernier. Et là, c'est cassé. Bon, bah, tant pis, hein, ça permet de saluer quand même. On prend les checkpoints. Non. Restart au checkpoint. Et ça va aller nickel. Ah, bah oui, là déjà c'est mieux, on sent que c'est plus fluide. Hop. Alors un petit conseil, allez d'abord ici et ensuite vous montez. C'est où? Ouais, c'est bien là. Ok. Ouais, c'est bien ici. Ah oui, PS, l'eau, enfin l'huile, ça fait mourir cette fois. Propos, voilà c'est bon. Et là on monte. On monte. On monte. Encore. Encore. Bon ça sert à rien.
Mais je vais essayer. Et comme ça, on fonce. Là, on perd tout le pouvoir pour faire ce passage. On peut tout comme en réalisant des mèches boost, hein, y a pas de problème. Et le retour, on peut le faire comme ça, sans problème non plus. Et vu ce que vous voyez au-dessus, vous avez déjà deviné pourquoi faut le faire en vernis. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi en dernier et pas en premier le faire. Attendez. Effectivement, toi, t'es pas sympa non plus. Voilà. Toi, tu meurs. Mais j'ai dit, toi, tu meurs. Pourquoi t'appuies pas sur B, Megaman? Voilà. 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 C'est bon. 1, 2, 3. C'est bon. Attends, j'ai perdu ma vague? Ah ouais, j'ai oublié de remettre la vague. On va tant pis. Ouais, j'y étais bien petit toi. Mais bon, on en aura pas besoin pour plus tard, c'est même pas une faiblesse du boss en plus. Voilà pourquoi. Allez hop là! Et hop là! Hop là! Paf! Paf! Pas belle! Et on fait un petit peu gaffe quand même. Voilà. 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 Ah ça, pourquoi j'ai fait pas ça? Ouais, c'est un peu tard pour se demander pourquoi, mais... Normalement, on était censé récupérer tous les pouvoirs. Hein. Mais pff, ça va aller, c'est pas un pouvoir pénalisant non plus. Allez. La preuve, hein, on peut le faire avec le tornade, ça marche très bien. Alors, on remonte. Voilà. Bon, par contre, j'ai pas compris pourquoi ça verrouille comme ça. Alors qu'il n'y a plus d'ennemis dans la salle. Voilà. Voilà. Et on retourne au checkpoint. Impec. Aïe. Ok. Ah c'est bon. Ouais c'est bon. Toujours un pouvoir en moins mais c'est bon. Pourquoi j'avais pas remarqué que lorsque j'avais construit? C'est bizarre. Mais bon tant pis. Comme j'ai dit, c'est pas un pouvoir important dans le niveau. Il a servi seulement dans la zone 3 et ça verra que dans la zone 3. Allez, oui. La preuve, j'ai réussi à uploader un niveau, ça veut dire qu'il est possible. Ok, hop. Voilà. Il va pas dans la zone 1. Hop. On prépare la tornade. Hop, hop.
le missile. Pas dans ce sens-là. Mais c'est bon. Parfait. Ah, déjà en haut il y a une sortie. Voilà, le checkpoint de ce côté. Allez, 1, 2, 3, 4. Enfin, sèche, on prend n'importe quel des téléporteurs, ça emmène derrière, hein, dans celle d'avant. Enfin, pas dans celle d'avant, mais vous allez voir si jamais j'y retourne, tout simplement. Allez, 1, 2. PS, en bas, c'est quand même compliqué, mais il faut le faire. Oh. Le lag de la mort. C'est bon, tous mes pouvoirs sont bien. Et je passe. Alors voilà, ça va être simple. Il va falloir faire comme ça. C'est ça l'idée, entre guillemets, mais ouais. Ah oui, en bas c'est la mort, hein, pour info. Là, il faut prendre l'air. Hein. Il va falloir monter assez. Pour passer. 1, 2, 3. Voilà, allez. 1, 2, 3. Ouh, j'ai failli mourir. Ok. On va passer, je pense. Ce serait une meilleure chose. Voilà. Ensuite, on reprend le tornade. Le tornade, elle sert vraiment. Ok. Hop. Pas mourir, c'est un conseil. Ok. Mince. Pas évident non plus. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on est en sécurité entre guillemets. Et voilà. La première clé récupérée. Il n'y en a pas beaucoup, je rassure, il n'y en a que 2 ou 3. Grand maximum. Je suis timbré mais pas autant que pour faire autant sur plus. Ok, les lags sont de retour. On esquive le monsieur. Hop. Allez. Nickel. Ouais, il y en a 3, c'est ça. Allez, c'est reparti. Ouais, hop. Hop. Ouais, cette clé-là, c'est la plus simple à récupérer. Hein. Ouh, j'ai eu peur d'être propulsé en arrière quand il a eu une touche le monsieur. Allez, hop, on passe ici. Ouais, là ça va être un peu plus long par contre. C'est pas difficile, mais c'est bon. Non! Ouf.
Ouais, parce qu'en bas ça tue, hein, je préviens. Celui-là, c'est important de le faire en dernier, par contre. Parce que vous voyez, les portes sont juste à côté. Et hop. Bon. Tant pis. J'avais espéré une bouger, mais j'ai pas pu. Oh. Hop. Nickel. Mais non! Ouh, j'ai peur que ça me tue celui-là. On descend. Merci. Ok, là, on va. Voilà, la gentille plateforme. Hop. Nickel. On utilise notre pied. Voilà. Mais je me suis encore fait avoir. Voilà. La troisième pièce aussi. Ok. J'ai pas de conseils au préalable, mais YOLO. Et ça a marché. Même pas du temps de le battre celui-là. Ouais, trop de plaisir. Lui, il n'est pas compliqué à battre non plus. Voilà. On prend le checkpoint, hein. Voilà. Et on est en route pour finir une bonne fois pour toutes ce niveau. Ouais, j'avais ce bug aussi. Mais bon, tant pis. Ça rapproche de la salle, donc tant mieux. Allez, hop. Mince. Déjà que c'est pas facile à obtenir comme pouvoir, en termes de puissance. Hein. Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas la puissance, c'est... Et puis juste. Voilà. Rien à faire. Voilà, on prend ça. On s'éjecte. On reprend les feuilles. On touche le machin. Et on utilise le missile. C'est très bien. Voilà, nickel. Ah, pas besoin de casser le deuxième, hein, c'est déjà fait. Ça c'est pas compliqué. On fonce en slidant. Allez. 1, 2, 3. Et voilà. Nickel, technique de speedrunner qui marche bien. On slide. On saute. Et zut. Ok. Comment je peux faire? Bon. Des neiges boost. Parce que je vois pas comment faire sinon. Ok, j'attends. Il construit l'os cristaux tranquillement.
Voilà. Il n'y a plus qu'à s'envoler. Bien charger le coup. Lâche le coup. Passer. Double saut, vas-y. C'est nickel. On descend. Tout doucement. Hop, hop. On traverse. On va récupérer nos PV plus qu'il faut. Hein. Allez. Voilà. Plus rien à récupérer. C'est bon. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et le pouvoir efficace, ce sera l'huile. Un plaisir pour les oreilles. Hop. Et voilà, tranquille. Niveau terminé. Et voilà. Il s'agissait de Metroid Mega Fusion. Un niveau qui m'a pris beaucoup de temps à faire pendant les grandes vacances. Ouais. Enfin, j'ai commencé en grandes vacances pour dire à quel point j'ai été. Et je suis super content de vous. Voilà. Là, il y a l'idée, si vous voulez. Allez, à bientôt. Tout le monde pour un prochain épisode de Mega Maker. A plus. Il aura duré 50 minutes. La vache, le niveau était vachement long. Ah ouais. Allez, à bientôt.